Donc, pour le mail. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, mais bon, j'ai essayé d'agrandir. Hein. On va essayer d'agrandir un petit peu. Hein. Je vous montre celui qui est en français, sinon vous n'avez pas compris ce qui est en jap. Donc, on ouvre mail. Ça charge, hein. Bon, j'ouvre la deuxième évidemment. Hein. Aussi sur la noire. Hein. Voilà. Bon, en fait, j'ai d'abord ouvert sur celui-là parce que l'autre il a déjà ouvert. Oui, bah là, j'y cherche s'il y a du courrier. Donc là, il configure ta carte. Ta carte Crozelles. J'écris sur MSN en même temps, hein, désolé. Donc ça charge. Hein. C'est un petit peu long, désolé. Bon, bah, pendant ce temps-là, je vais lui demander si j'ai des messages. Ça sera fait. Il cherche, hein, ma console. C'est la première fois que je mets, donc c'est vraiment que ça long. Donc pendant ce temps-là, hein, quand vous cherchez, ça vous dit ça. Attends. Ah bah voilà, j'apparais. On met du son. On l'a dit bonjour. Hein. Tu peux appuyer sur l'écran, ça se fait apparaître directement dans le dessin. Il te montre ce qu'il peut faire. Faire des dessins, tu peux les envoyer. Tu peux écrire. Le street pass c'est le pour le quand tu marches si tu rencontres quelqu'un dans la rue, et le short pass internet, donc tu mets oui à tout en fait, tu te poses pas la question. Deux secondes. Voilà, donc bon, en fait il faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. En fait, je vais plutôt descendre et vous montrer comme ça. Toi, ta gueule, il me gonfle cette musique en fait. Désolé. Donc, ça ressemble à ça. On voit bien là. Voilà. Donc, ça, c'est effacer, paramètres, envoyer et recevoir. Et bon, en fait, je sais pas. Donc, deux secondes. Enfin, je sais pas, je vais regarder sur ma française. Ça sera plus simple. Alors, oui, j'ai reçu trois lettres. Ok. En fait, je vais regarder sur l'autre. Je vais vous montrer sur l'autre, ça sera plus simple, hein, avec son français. Voilà. Donc, effacer. Envoyer, recevoir des messages. Diaporama pour voir tout en gros. Et paramètres. Voilà. Pour écrire une nouvelle lettre. Nouvelle lettre. Option. Date pour... En fait, ces options, tu les as quand tu envoies plusieurs messages. Ils apparaissent tout doucement, petit à petit. Donc, faut t'envoyer plusieurs lettres et ils vont se débloquer. Date, ça permet d'envoyer un courrier, mais la personne ne peut l'ouvrir que le jour que tu as décidé. C'est cool. Enregistrement, c'est pour enregistrer du son, mais il faut 15 pas. Papier à lettres, du petit fond. Oh, ça change, hein. Voilà. Ils sont tous gratuits sauf après 5 pièces chaque. Mais une fois que tu es débloqué, c'est gratuit. Retour. La gomme. Et pour écrire. Alors pour l'instant, t'as que ça, mais après, tu peux écrire en 2D et en 3D. Hein. Donc on va écrire un truc, hein. Bah, tu vas voir en haut, hein, comment j'écris. Hein. Bon, je suis gaucher, donc ça se voit. L'avantage d'écrire avec le crayon, c'est qu'on peut écrire plus correctement ou pas. Bonjour, ça va. T'écris. Tu fais sur... Une fois que t'as écrit,
T'as l'option quitter sans sauvegarder si tu t'es gouré. La flèche là, c'est pour changer de page, tu as jusqu'à 4 pages dans le même message. Sinon, tu sauvegardes. Alors là, voilà, c'est ce qu'il demande, tu as le choix. Street Pass, si tu promènes quelqu'un dans les magasins, tout ça. Donc tu sais pas quand. Sinon, tu utilises le bleu, c'est pour envoyer directement là, par mail. Donc tu fais que ça. Là, tu choisis tes contacts que tu veux. Soit tous, soit au choix. Donc là, je choisis bah, le mec du Mac 3DS Jap. C'est lui, c'est le dernier. Je fais envoyer. Et tu vois que le truc. Elle est partie. Et après, bah, tu as ton message qui est là. Donc tu peux écrire, tu pourras cliquer dessus pour voir ce que tu as fait. Tu te rappelles plus. Voilà. Tu as l'option mettre en favori jusqu'à 100 messages. Tu cliques là, modifier si tu veux modifier. Tu peux sauvegarder la photo, mais il faut 10 pas. Ou sauver le son, mais il faut 10 pas. Destinataire, si tu veux renvoyer à d'autres destinataires. Voilà, retour. Si tu veux l'effacer, tu fais ça. Comme tout à l'heure, je te l'ai montré, effacer. Tu choisis. Oui. Retour. Voilà. Maintenant, tu vas me dire pour recevoir, une fois que tu as reçu. On change de console. Donc là, je suis sur la Jap. Donc on va sur recevoir. Recevoir, c'est celui-là. Voilà, donc là, ça charge. Il regarde si tu as des trucs à envoyer ou à recevoir. Oh, ben là, j'ai des messages qu'on m'a écrits. Message blanc, super. Elle me dit si je reçois des messages. J'aime pas. J'aime pas les temporaires, mais c'est marrant ça. Donc ça charge toujours. Hein. Ah, un mail, t'as vu? Voilà, donc tu choisis, hop. Tu l'ouvres, new. Tu cliques dessus. Donc en bas, voilà. Niki, en fait, c'est la console Niki. Donc elle te montre différents trucs. Donc là, elle te montre ce que tu peux faire. Voilà. À chaque fois que tu envoies des lettres, en fait, t'as un nouveau truc qui apparaît. Une nouvelle icône. On change de message. Ah donc ça, c'est le message que j'ai envoyé avec mon autre console. Donc quand tu as un message, tu peux soit répondre. C'est ça, répondre. Puis sinon, on va passer comme l'autre. Hein. Voilà. Donc vu que tu as reçu des messages, on va faire un nouveau message. Bon, on va écrire n'importe quoi. Hein. Voilà. En fait, il faut envoyer beaucoup de messages après pour voir le son, les papiers. Ou genre de choses. Donc là, ça sauvegarde tranquillement. C'est un petit peu long, hein, mais bon. Désolé, hein. Ça charge. Voilà. Voilà, elle t'explique. Voilà, toi, c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Hein, pour envoyer en mail ou en truc. Hein. Donc là, faut que tu lui fasses une démonstration. Donc, faut t'envoyer un message. Donc, envoyer par mail. Hop. Un truc. Hop. Elle part. Et ben non, faut que je charge.
Voilà, c'est parti. Donc je peux faire envoyer et recevoir si j'en reçois d'autres. Et là, en fait, mon autre console est en train de chercher le message de l'autre. Tout doucement. Eh ben tiens, pendant que ça charge, vous pouvez voir là. Ah bah non, je peux pas montrer. Si tu vois là, c'est des messages. En fait, je peux pas ouvrir qu'à certaines dates. Et je connais pas la date, c'est ceux qui m'ont envoyé, donc en fait, c'est une surprise. Peut-être que je peux l'ouvrir demain, ou peut-être après-demain, ou pour Noël, ou... Donc ben voilà. Voilà, vous avez compris le but du système. Voilà. Et ben on va réduire. On va dire au revoir à mes deux petites consoles. Bisous.